Chérie, faut que tu m'expliques quelque chose. Mmh. Parce qu'au boulot, on parle avec les filles. Mais nous, mmh, on est de devant ou de derrière? Hein? En politique, on est de devant ou de derrière? De devant ou de derrière? Ouais. On dit de droite ou de gauche, au gabre! Je dis une connerie au boulot, alors. Ouais. Portable, c'est bon. Tablette. TV LED. Eh ben, ça c'est de la liste. Hein. C'est sûr. Hein. Mais, tout ce dont j'ai envie, je le coche. Ah, je vois ça. Purée, là ton mari à la fin, il a plus de sous. Hein. Oh. Tu sais que le Père Noël c'est pour les enfants. Hein. Ah ouais, le Père Noël. C'est bientôt les élections, tu percutes? Allez, imprimante multifonction. Putain, coche tout, de toute façon. Là. Open bar. Tiens, regarde, Demi, c'est pour lui que tu dois voter. Il est pas mal, mais je vote. Je vote. Hop, 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 hop. C'est bizarre. Caroline du boulot. Oui, elle est sur les... Et si je vote pour elle, je vote pour lui. Bien sûr. Pas l'inverse. Oui. Ah, mais je vote pas pour elle, cette moulite. À chaque fois que je la vois, mon Paul Mathieu, si mon Paul Mathieu là, me fatigue. Et puis en plus, si je la vois, je vais me la voir à la télé, quand c'est casère, tous les soirs. Mais ça va pas ou quoi? Mais on s'en fout, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est important de voter, tu votes, tu réfléchis pas et basta. Qu'est-ce que tu te prends la tête? C'était il y a longtemps, elle et moi. Oh. Ah non, mais je réfléchis, hein. Je vote pas pour la moulisse de Caroline, un poids, c'est tout. Je vote contre. Et demain, quand je la croise dans les couloirs, je Caroline, je vote contre. Mais enfin, mais je la connais bien, mais Gabi, demain, si elle est à l'Assemblée, hein, on peut avoir besoin de quelque chose, et toi, tu vas lui voter contre. Réfléchis un peu, mais réfléchis un peu. Écoute-moi bien. Si tu connais bien Caroline et que tu votes pour Caroline, moi, tu me connais plus. Bon, moi, je sais pas qui voter. Il y en a tellement. En plus, je vais m'installer. Je sais pas qui est qui. Quoi? Si je peux me permettre. Ouais. Si je prends la liste, là, voilà. Ici, le 47, c'est mon cousin. Il est au top. Là, tu peux y aller. Pas de soucis, hein. Ouais. N'importe quoi. Voilà la tête qu'il a. Il se drogue et tout. Oh. Non, vote plutôt pour... Voilà. Ma tante est sur cette liste, elle donne même le nom de ta fille à un rond-point. Elle sera trop contente à Noël, tu vas voir, c'est féerique. Attends, mon cousin, il t'offre des abonnements à la patinoire. À Bastia. Mais qui patinoire? Que je paye déjà un congélateur, ton cousin, oh, disgraziado. Quand tu votes pour mon cousin, ouais, il t'offre un petit bijou fantaisie, comme ça. Tu le mets là après, tu vois, sur le doigt. On y barre tout doux, la fantaisie, oh. Tu me connais ça, au bureau de vote. Ta tante devait préférer le lavoir l'année dernière, elle a refait le lavoir. Ah bravo, le lavoir, il est en fait, il est. Qu'est-ce que tu veux le lavoir? Tu n'as pas de machine à laver, mais tu vois, comment il s'explique dehors, ouais, tu veux. Viens, toi. C'est que des élections, hein. Caroline. Je te prends, je... Ah, pour le match, je te crève. Qui giornata! Amore. Oh. Chi giorno siamo oggi? Siamo giovi. Ma giovi. 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 Oh puttana, siamo giovi! Oh puttana! Il y a le départ sur VRT après l'élection! Allez, viens, vite! Oh! Mais c'était notre anniversaire de mariage! Et il y en aura d'autres, oh! Bon, moi je commence à avoir faim. On se fait un resto. Non, bah ouais, t'es folle ou quoi? Enfin, c'est les élections bientôt. Vous commencez à m'énerver, hein. À chaque fois qu'il y a les élections, on peut même pas aller au restaurant, hein. Mais tu comprends rien. Regarde, hier on était au meeting du PC. Ouais, d'ailleurs, que des patates, c'est un peu austère. Hein. Après, on a fait le meeting du PS. Gauche caviar. Ah ouais. Top. T'es. Après, on a fait l'UMP. Droite pâté. Pas le feu. Et puis, on a fait le FN. Succulent couscous. Et puis ce soir, c'est les nations. On mangera le figadil. Ah, super. Génial. Soumi. Kiki, n'oublie pas qu'on mange chez ma tante demain. Ah non, moi demain, je peux pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut que je monte voir Babo et Mémé au village. Ils sont morts depuis 15 ans, Babo et Mémé. Hein. Mais alors, dimanche, il y a les votes, non? Donc je monte prendre les procurations. Celle-là, alors? On n'avait jamais fait. Oui, ben toi tu comprends rien à la politique alors. N'importe quoi. Oui. N'importe quoi. Allô? Oh, Bradé, papa? Papa, appelle-moi bien, non? Mais je viens de te voir là sur Via Stile. Bon, tu as fait un beau débat. Hein. Bon, sincèrement, tu as lu pas là. Hein. Politique, c'est fait pour toi. Hein. Ah oui. Et bien sûr que tu peux compter sur moi. Enfin, tu as besoin d'appeler
pour que tu aies à voir ma voix. Enfin, bien sûr, Bradé. Sur moi, mais j'ai tout téléphoné avec mes parents juste avant que tu m'appelles. J'ai dit que c'est sous Chiloa Bouddha. Et c'est chez moi. Oui, t'inquiète, tu as la famille. Et si je peux, j'en parlerai quelques-uns du village. Hein? Ça va. Attends, hein? Quitte pas. Alors, regarde, ah, je te laisse, j'ai un coup de fil important sur votre travail. Hein? Merci. Allez, ciao, ciao. Allô? Oh, amigo, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va. Qui t'es? Pour dimanche? Et bien sûr que pour dimanche, je vote pour toi. Oh, moi, je vais pas voter pour ceux qui passent sur Viasté, là. Tu es notre cloche, il sait même pas parler. Eh oh, la chagora. Non, non, toi, tu es un vrai, tu es un oustral. Tu as ma voix, t'inquiète. Et tu sais quoi, je vais appeler mes parents, je vais leur dire, celui-là, tu la Bouddha. Hein? Un ticket là, Bradé, un ticket là. Allez, t'y barre. Ciao, ciao, ciao. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Viasté. Oh, c'est les élections, c'est important pour l'avenir. L'avenir? Il parle d'avenir, il a 150 ans. Mais moi, en attendant, lui, je vais le voter. En plus, si t'es mauvaise langue, il a doublé son score. Ouais. De 1, il est passé à 2. Oh, dis, mais qui vous a dit, je t'allais, Teragui? Pourquoi on viole un peu plus Bouddha? Et enfin, au village, ça s'est toujours fait, hein, il faut arrêter, hein. Oui, oui, il vote depuis qu'il est né. Oui. Bon, alors, tu sais quoi? On réglera ça dimanche devant l'urne, hein? Oui, parce que pour passer les appels, je vote pour toi, je vote pas pour toi, hein, là, t'es bon, hein. Et, hein, on verra ça. Eh, oui. T'es bien énervé, t'es bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh, au village, il veut le plus faire voter mon fils. Depuis quand? Au village, attends. Il a 18 ans, ton fils. Oui. Ah, je savais pas. Ah, ça va, je sais. Tu sais, des fois, quand t'as un petit casier judiciaire, même rien, hein. Après, t'es ligoté, t'es mis sur le banc. Tu peux plus rien faire, oh. Un casier judiciaire? Je sais pas, je connais pas ton fils. Il a une tête de délinquant. Non, bébé. Non, j'ai compris, hein. Quoi? Non, rien, rien. Non, c'est pas vrai. C'est cocasse. Oui? L'Institut de sondage. On a pris rendez-vous à l'Institut? Ben non, je me suis fait épiler les aisselles la semaine dernière. Et vous allez sonder qui en plus? Ah non! C'est l'Institut pour les votes. Ah, c'est l'Institut pour les votes. Vote. Je sais même pas qui votait. Ah ben écoutez, je... Attendez. On va regarder. Vous dites qui? Isha! Ah. Malegofu. Non, pas lui, hein. Non, ouh, il est trop vieux. Non, non, non. Non, non. Non, un mieux, un plus beau. Trouve-moi un beau là-dedans, parce que c'est pas évident, hein. Attendez, hein. Celui-là, il est trop beau. Il est jeune. Ah, salut. Oh, ça va. Ça y est. Quoi? J'ai voté. Ah, tu as voté pour qui? Bah, tout le monde. J'ai mis tout le monde dans l'enveloppe. Je suis allée dans l'entonnoir, là, et pouf, dans l'enveloppe. Tout le monde. Au moins, ça fait des points pour tout le monde. Oh, Dieu. Ça vote, ça. Tu as arrêté l'école en CE, hein? Je sais pas. Il devrait installer une hiérarchie, tu sais, entre fonction de qui vote. Bon, Vradé, Nadunade, tu sais que ces élections, bientôt c'est 4 semaines qu'on va voter. Oh, tu as raison. Écoute-moi, à la maison, mon père et ma mère, ils se parlent plus, ça va? Oh. Eh oui, parce que lui, il vote à droite et elle vote à gauche. Il doit avoir une ambiance. C'est marrant. C'est top, ça. De toute façon, le week-end prochain, là. À Bastia, il y a le grand concours. Moi, je suis en plein entraînement, il faut pas me... Qui est concours? Eh oui, il y a... Il y a Pachizada. La Spasidiada! Il faut courir, la course à pied! Qui, Bedi? Eh oui. Et pourquoi ils font ça, les gens? Et c'est comme ça, ils courent et celui qui gagne, après, il est content. Eh oui. Mais attends, courir, moi, je vais pas, tu sais, pas me ruiner la santé, hein, mais pour aller courir. T'as raison, hein. Ah, je suis gosse, moi, reste à la maison. Oh. Salute. E bidiu.